Merci, bonjour. Ravi de venir parler de prévention, sujet qui me tient à cœur. La chance d'avoir avec nous Lise Alter, qui est la directrice générale de l'agence Innovation Santé, Aurélie Jean, qui est chercheuse, entrepreneur, docteur en sciences, Antoine Ténière, professeur Antoine Ténière, qui est le directeur général de Paris Santé Campus et de pas mal d'autres choses, monsieur Arrigan, qui est directeur général de la Mutuelle Générale, et monsieur Tichit, qui est le président de Novo Nordisk France. Je vous laisse vous asseoir, peut-être, mesdames. Ouais, voilà, très bien, vous mettez-vous comme vous voulez. Je vous laisse. Alors, on voulait vous parler de prévention, c'est un sujet ô combien important. Pourquoi ? Très rapidement. Eh bien, c'est très simple. En France, on a une bonne espérance de vie à la naissance. 80 ans pour les hommes, 86 ans pour les femmes. Mais on a 13 ans de différence d'espérance de vie entre les 5% les plus démunis et les 5% les plus gâtés. On a une mauvaise espérance de vie en bonne santé à 65 ans. On a pour l'instant un Français sur 5 qui a plus de 65 ans. En 2030, ce sera un Français sur 4. On va multiplier par 3 le nombre d'octogénaires. Si vous voulez en savoir encore un peu plus, l'INSEE nous prédit 4 millions de personnes en situation de dépendance. Ça nous coûte déjà 24 milliards d'euros par an. Il faudrait qu'on double le rythme d'ouverture des EHPAD alors que 2/3 ont des problèmes d'effectifs. On peut continuer comme ça longtemps. On a un vrai problème. On n'est pas bon en France. Pourquoi on n'est pas bon ? On dépense moins de 2% du budget sur la prévention. Le risque cardiovasculaire continue à tuer. Première cause de mortalité chez les femmes. On a des couvertures vaccinales contre la grippe et le Covid qui sont dramatiques pour les patients chroniques. Les choses semblent bouger grâce à plusieurs des acteurs, tant mieux. En tout cas, en parole, c'est bien. Maintenant, il nous faut de l'action. Et si on dépensait moins en soins et plus en prévention, ce serait peut-être pas mal. Alors avant de commencer, on va essayer de regarder quel est l'impact économique de ce dont on parle et pourquoi il nous faut de la prévention. Antoine Ténière, peut-être, vous pouvez nous dire un mot. Merci beaucoup François, merci beaucoup pour cette invitation ce soir. Je suis très heureux d'être avec vous. Effectivement, on a travaillé sur l'objectivation de cet enjeu de la prévention. Au-delà de l'adage « mieux vaut prévenir que guérir », il y a plusieurs éléments importants pour peut-être planter un peu le décor et les impacts qui sont attendus. Le premier élément qui est intéressant, c'est qu'on estime qu'à peu près 80% de ce qui va vous arriver dans votre vie médicale, si je puis dire, est prédéterminé par un certain nombre de paramètres. Et donc, ça veut dire qu'au moment de votre naissance, on peut prédire, et on commence à pouvoir le faire, à peu près 80% de ce qui va vous arriver. Donc, ça veut dire qu'en travaillant bien en amont de ce qu'on fait aujourd'hui, on peut être beaucoup plus efficient pour essayer de prévenir un certain nombre de problématiques, de pathologies, etc. Et c'est le travail qu'on a essayé de faire avec Nicolas Bouzou, c'est-à-dire d'estimer aujourd'hui la performance globale de nos initiatives de prévention en France et puis de la comparer notamment à l'international avec un certain nombre de pays et de voir ce qui se passerait sur le plan économique si on améliorait cette performance avec un premier constat qui est qu'aujourd'hui effectivement on est très fort dans le soin et moi je suis réanimateur donc je suis vraiment au bout de la chaîne de soins si je puis dire et donc on a beaucoup de recherches, on a beaucoup de médicaments, on a beaucoup d'efforts, beaucoup de structures qui sont concentrées sur le soin, mais on peut rééquilibrer beaucoup d'objectifs bien en amont autour de la prévention avec plusieurs réalités économiques aujourd'hui. Vous allez comprendre avec ensuite les enjeux de la prévention pourquoi je parle de ça. Le premier enjeu économique, c'est que notre population vieillit et donc elle demande beaucoup plus de soins. L'espérance de vie s'allonge, François Sarkozy l'a rappelé en introduction, et donc on va vivre avec des pathologies chroniques qui vont nécessiter des traitements pendant plus longtemps. Et puis le dernier paramètre, c'est que les traitements qu'on produit aujourd'hui, parce qu'ils sont plus spécifiques, qu'ils sont plus ciblés, qu'ils sont plus complexes, coûtent de plus en plus cher. Donc c'est une équation aujourd'hui qui est complexe autour du soin. Si on avance vers beaucoup plus de prévention, l'objectif, c'est justement d'alléger ces dépenses de soins parce qu'on va éviter un certain nombre de pathologies et puis économiser des dépenses qui sont liées justement à ces pathologies. Et ce qu'on a montré, le premier paramètre qui est très intéressant, c'est que
Dans le soin, on dispose aujourd'hui de beaucoup d'éléments qui permettent de caractériser, de suivre la performance du système de soins. Mais quand on regarde les éléments et les indicateurs dans la prévention, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on dispose de très peu d'éléments. Donc on doit progresser pour arriver à mieux caractériser les initiatives et les objectifs de prévention. Ça, c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est qu'on va regarder trois grands domaines de la prévention qui sont à peu près 10% des initiatives de prévention pour essayer d'estimer justement l'impact médico-économique qu'on va pouvoir atteindre. Ces trois grands domaines, c'est tout ce qui concerne les comportements et les addictions, donc alimentation, activité, alcool, tabac, la prévention des cancers et puis la vaccination, qui sont vraiment trois domaines majeurs de la prévention. Ce qu'on voit, c'est qu'en France, aujourd'hui, les performances dans ces trois domaines, elles sont hétérogènes. On n'est pas très bon sur l'ensemble des vaccinations. On est bon sur les vaccinations qui sont obligatoires. On n'est pas très bon sur la prévention des cancers, puisqu'il y a deux tiers des cancers qui échappent au dépistage organisé. Et puis sur la partie des comportements et puis des addictions, on est plutôt bon élève, mais avec des tendances qui sont à surveiller, et plutôt mauvais élève sur l'alcool et le tabac. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand on modélise des améliorations de ces performances sur ces trois grands domaines, eh bien on va pouvoir estimer le nombre de maladies qu'on va éviter. Et en fonction du niveau d'ambition qu'on va se fixer, c'est-à-dire soit on se dit on est très ambitieux et on va améliorer très fortement nos objectifs de prévention, soit on est moyennement ambitieux et on va améliorer moyennement nos objectifs de prévention, eh bien on peut éviter de 2 à 6 millions de nouvelles maladies par an, qui sont liées justement à ces grands éléments, maladies cardiovasculaires, cancers, maladies infectieuses, etc. Donc ça, c'est un premier élément. On sait de façon maintenant tout à fait concrète le nombre de maladies qu'on peut éviter pour la population dans son ensemble en améliorant nos objectifs de prévention. Et le deuxième élément, c'est que en connaissant ce nombre de maladies, on peut estimer également le coût afférent pour le système de soins aujourd'hui. Et le surcoût, si je puis dire, si justement on ne fait pas ces économies de pathologies et de dépenses de santé. Et ce surcoût, il est majeur. Donc si on économise 2 millions de nouvelles pathologies par an, c'est 5 milliards d'euros annuels qu'on va pouvoir économiser sur les dépenses de soins. Et si on économise dans les objectifs les plus ambitieux 6 millions de nouvelles pathologies par an, eh bien, c'est jusqu'à 17 milliards d'euros par an qu'on va pouvoir économiser. De façon globale, pour comprendre, ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est 240 milliards d'euros. Donc on est à peu près à 10% potentiellement d'économies qu'on peut réaliser en améliorant ces objectifs de prévention. Donc voilà peut-être un petit tableau assez clair pour expliquer ce qu'on peut gagner au-delà des enjeux purement individuels à l'échelle de santé publique et à l'échelle sociétale en améliorant nos initiatives de prévention. Et encore, les économies peuvent être encore plus importantes si on considère s'il y a moins de pathologies chroniques, on a moins de pertes d'autonomie. Alors, oui, il y a ça. Et puis, il y a un élément sur lequel je suis passé vite, mais qui est important. Je vous ai dit, on a regardé un échantillon de 10% des initiatives de prévention. Ça veut dire que le volume global d'économies, il est potentiellement beaucoup plus important. Alors, Lise Alter, les enjeux sont gigantesques pour les Français individuellement, pour les malades et pour l'économie française. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi on est si, j'allais dire, mauvais en prévention? Pas partout, on est bon chez l'enfant, mais et pourquoi? Il y a une raison à ça? Alors, une raison et une seule, peut-être pas. En tout cas, ce qui est certain, et peut-être pour apporter une petite note d'optimisme quand même, c'est que les grandes transformations finalement structurelles, on les fait souvent pendant des périodes de crise. En tout cas, j'allais dire que le changement vient rarement complètement naturellement. Et c'est peut-être une opportunité qu'on a aujourd'hui, puisqu'on a affronté un certain nombre de défis, des défis évidemment qu'Antoine a rappelé, démographiques, avec également donc, le vieillissement de la population. Hein, à horizon 2050, l'OMS prévoit un triplement des plus de 80 ans, l'explosion des maladies chroniques, de l'obésité dont on pourra parler évidemment et dont on a parlé tout à l'heure, mais également des défis climatiques, et puis la démographie des professionnels de santé qui est telle que nous la connaissons, avec une stagnation très claire, ce qui veut dire que de toute façon, on n'a plus tellement le choix que d'amorcer, et même plus qu'amorcer, aller vraiment vers cette prévention que tout le monde appelle de ses voeux depuis très longtemps. D'ailleurs, prévention, c'est un terme un peu galvaudé, dont on a l'impression que finalement, c'est essentiellement des mesures comportementales individuelles, certes, mais
La prévention, c'est aussi de la médecine plus prédictive, plus personnalisée, et donc le levier de l'innovation est un levier majeur pour y parvenir. Et ce lien entre innovation et prévention, il n'est pas si évident, ou en tout cas, on ne l'a peut-être pas suffisamment fait jusqu'à présent, puisque aujourd'hui, face à tous ces défis qui nous attendent, eh bien, on n'a plus trop le choix que de mobiliser l'innovation. Et comme le disait Antoine, pour arriver à dégager ces marges, qui sont à la fois des marges sur le plan économique, mais également qui vont permettre d'améliorer de façon très très claire la vie en bonne santé des citoyens et la diminution des pathologies chroniques, eh bien, pour ça, il faut donner un certain nombre d'éléments de preuves objectivées sur l'apport de chacune de ces innovations en vie réelle, en conditions réelles d'utilisation, puisque c'est là le nerf de la guerre. Il ne suffit pas d'avoir des innovations pour qu'elles soient à la fois adoptées par les professionnels, utilisées par les patients et qu'elles atteignent leurs objectifs. Donc comment est-ce qu'on diffuse ces innovations à une échelle suffisante pour pouvoir en faire de la démonstration, pas seulement sur le plan clinique pour un patient donné, mais aussi à l'échelle populationnelle pour une population sur un territoire suffisant en matière d'efficience des soins, mais aussi eh bien, d'accès aux soins, et j'allais dire même de qualité de vie, que ce soit pour les professionnels et pour les patients. C'est donc sur cette base-là qu'on décide avec l'ensemble des ministères et des partenaires que nous avons au niveau des territoires également de lancer donc aujourd'hui une stratégie vraiment ambitieuse en matière d'innovation et de prévention pour amorcer ce changement justement et faire en sorte qu'on puisse fournir des éléments pour permettre de modifier à la fois les modalités d'évaluation mais aussi de financement de ces innovations en matière de prévention. Très intéressant. Christophe Arrigan, à la Mutuelle Générale, vous savez ce que c'est que la prévention. La prévention, c'est un investissement à court terme pour un bénéfice à long terme. Ce n'est pas forcément compatible avec le temps politique. Effectivement, ça vient de nous être rappelé par Antoine, par Lise. La prévention, c'est le temps long. C'est le temps même particulièrement long. On s'inscrit sur le temps d'une vie d'un être humain. Et pour mener ces actions de prévention, celui qui donne le « là », ce sont les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, ils sont dans le calendrier électoral. En 2018, il y a eu un plan prévention, un projet interministériel de très grande envergure. C'était une priorité nationale. Si vous regardez aujourd'hui sur le site du gouvernement, il n'y a plus de publication depuis 2021. Donc on voit bien que là, le temps politique vient percuter le temps d'une vraie politique de prévention. Et ça, c'est le premier enseignement. Et on n'est pas là pour leur jeter la pierre. C'est un fait. Quand vous changez de gouvernement, c'est compliqué d'avoir la permanence de l'action publique. Et puis en plus, comme on aime bien faire en sorte que la politique de prévention, ça soit, je dirais, l'exclusivité presque de la force publique, eh bien du coup, on affaiblit finalement la volonté et les actions qu'on peut mener. Et là, il faut s'interroger finalement sur le rôle du secteur privé, le rôle de l'entreprise. L'entreprise aussi, elle est sur le temps long. Elle est sur le temps court, pardon. Mais elle est aussi sur le temps long. Quand vous êtes dans une entreprise, vous priorisez, vous avez un plan stratégique qui vous fixe sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire beaucoup plus loin pour savoir comment vous amenez vos salariés. Et ça, c'est un point très important, c'est que depuis le Covid notamment, les entreprises sont rentrées dans la vie des individus. Et donc, avec cette situation, on a une opportunité colossale qui est de finalement associer un acteur qui est l'entreprise sur le temps long avec les objectifs de prévention. Et ça, il faut vraiment y réfléchir parce que je suis convaincu, on va y revenir un petit peu après, que les entreprises demain peuvent être le fer de lance de la prévention en France. Alors dans cette veine-là, Étienne Tichit, vous avez quelques exemples parce qu'on va rentrer maintenant dans le concret, notamment un exemple au Danemark qui est intéressant, si vous voulez nous en parler. Oui. Merci de votre invitation. La première chose, j'apprécie aussi qu'on attaque le sujet de la prévention sous ces deux angles, à la fois la prévention secondaire et la prévention primaire. Donc la prévention secondaire, c'est est-ce qu'on peut éviter qu'une personne en situation, par exemple, d'obésité en France, donc 185 personnes décèdent du fait de son obésité aujourd'hui, enfin de leur obésité aujourd'hui en France, sur cette journée d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réussir à l'éviter ? Est-ce qu'on peut l'éviter ? 50% d'entre eux vont décéder d'une complication cardiovasculaire. Est-ce qu'on peut l'éviter ? Oui, on peut l'éviter en travaillant sur la prévention secondaire. Donc très clairement, quand on travaille sur
le métabolisme et quand on commence aussi à travailler sur les méthodes d'intervention en prévention secondaire, on a aujourd'hui la possibilité de pouvoir adresser cette problématique de décès, alors cardiovasculaire, rénal, donc une défaillance d'une série d'organes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on peut adresser la prévention primaire et donc éviter que des personnes puissent être en situation d'obésité, si je prends cet exemple-là. Alors, Novo Nordisk, c'est une particularité, c'est qu'on est détenu par une fondation et que la fondation, en fait, travaille à la fois sur le traitement, la prévention secondaire, mais aussi sur la prévention primaire. Et l'exemple que vous preniez, c'est l'exemple du Lighthouse qu'on a mis en place au Danemark, mais aussi avec des déclinaisons françaises, hein, je vais pouvoir en parler. Donc, au Danemark, c'est une coalition publique, privée, associative. Il faut savoir aussi que la prévention, elle est déléguée aux communes. C'est aussi un point important. Ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à la nation, mais c'est au niveau de la commune que la prévention se joue. Parce qu'on croit vraiment et fondamentalement que ce sont les acteurs de terrain, c'est au niveau des territoires que ça joue. On peut avoir des politiques nationales, mais derrière, pour qu'on arrive à activer cette prévention primaire, c'est par le jeu des coalitions publiques, privées, associatives dans les territoires. Alors le projet Lighthouse, c'est 400 entreprises, associations, parties prenantes, voilà, qui aujourd'hui contribuent à tenter d'infléchir l'apparition, le développement, l'accélération de l'obésité au Danemark. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit que derrière le programme qui a été constitué avec ces différents groupes de travail et ces différentes obédiences, on va dire, derrière on a la promotion du sport, du mieux manger. On a 80% des parents qui sont satisfaits du programme, mais surtout 76% des enfants qui sont en meilleures conditions de santé. Que derrière, sans intervention thérapeutique, sans aucune, on a déjà une inflexion du poids à hauteur de 6,5% avec les mesures qui sont prises dans ces territoires-là. Et puis, j'en passe et des meilleurs, puisque en fait, on a aussi l'absentéisme qui est réduit de 32,4%. Donc, très clairement, quand on commence à adresser la problématique de façon systémique, à l'échelle d'un territoire, derrière, on a la capacité de pouvoir avoir des chiffres et un rendu assez rapide, finalement. Alors, en France, la déclinaison, c'est Cities for Better Health à Strasbourg. Strasbourg plus 30 communes dans l'agglomération, autour de l'agglomération. L'idée, c'est d'identifier, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, c'était d'identifier les endroits où il y avait des problématiques d'obésité, d'apparition de diabète et tout ça. Et donc, on a monté une coalition, on est 14 acteurs, certains et certaines sont dans la salle aussi avec la Fédération française des banques alimentaires et puis d'autres acteurs comme la Fédération française du diabète, des sociétés savantes dans le domaine de la diabétologie et tout ça, pour pouvoir intervenir, et des associatifs, des associations sur Ciel Bleu, Univers le Sport, voilà. Et on a une action ciblée sur en particulier 6 territoires sur ces 30 communes, où c'est la promotion du sport, c'est la promotion du mieux manger, c'est la promotion du bon geste, bonne assiette, qui est le programme qu'on porte avec la Fédération française des banques alimentaires. Et derrière, on mesure. Et donc là, début 2025, on va avoir une première mesure d'impact. Aujourd'hui, on a 1200 enfants qui sont dans ces programmes de prévention. On a monté 2 serres connectées dans les écoles pour du manger local et manger des vraies carottes et pas des carottes sous vide et compagnie. Donc c'est ça aussi, nous, on croit vraiment à l'ancrage local, la coalition, donc public, privé, associatif, se fixer des objectifs en ciblant des territoires qui sont bien identifiés et derrière, mesurer l'impact. Alors, on va arriver aux données, justement, c'est une très bonne transition, mais juste en attendant, vous arrivez à toucher toutes les catégories sociales? Ou est-ce que justement, via les partenaires, en fait, on y arrive? Parce que si on commence à travailler avec l'éducation nationale et en local, on arrive aussi à toucher les écoles. Alors c'est vrai qu'il y a la limite administrative. Pour créer une serre connectée dans une école, c'est 2 ans de travail pour mettre tous les acteurs autour de la table et faire en sorte qu'on saute le pas. Donc il y a des choses qui sont... parce qu'on veut aussi des solutions pérennes. On ne veut pas une serre qu'on va monter et puis l'année d'après, plus personne s'en occupe. Donc il faut contracter aussi avec les espaces verts de la commune. Enfin vous voyez, donc je pourrais vous faire une thèse. Un travail en profondeur. Je suis impatient de voir Guillaume Casbarian pour lui parler de simplification. On ne va pas avoir le temps, mais on sait bien qu'un des problèmes de la prévention, c'est que parfois on arrive à toucher les bons élèves et pas forcément ceux qu'on a le plus besoin. Alors Aurélie Jean, on vient de parler de l'importance des données. On ne peut pas être dans les rencontres d'avenir et pas parler d'intelligence artificielle. Alors
justement comment l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux interpréter les données, avoir des algorithmes plus intelligents en matière de prévention. Alors c'est exactement pour rebondir ce que disait Lise lorsqu'elle parlait justement, vous parliez de l'innovation comme un levier à inévitablement utiliser pour aller vers plus de prévention. L'intelligence artificielle, les algorithmes, enfin moi ce que je développe, et d'ailleurs je développe aussi dans la santé, dans la détection précoce du cancer du sein, donc je suis dans la médecine préventive, pas prédictive, mais de précision. Et en fait, justement, lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle sur des données, quelles qu'elles soient, donc là, c'est des données médicales, des données de santé, mais pas que, ça peut aussi être des données démographiques générales, pas forcément des données à caractère personnel, mais plein d'autres types de données. Des données aussi sur le lieu, votre environnement, dans quel type d'environnement vous travaillez ou autre, et vous vivez, peuvent permettre de rendre n'importe quel domaine, et la médecine, la santé en fait partie, peuvent permettre de rendre ces domaines plus prédictifs, plus personnalisés et plus précis. Donc j'appelle ça la transformation des 3P. Et c'est hyper important à comprendre parce qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi l'interdépendance entre plus précis, plus prédictif et plus personnalisé. Parce qu'en réalité, on arrive à développer de la médecine plus prédictive parce qu'à un moment donné, on l'aura rendue plus précise et on l'aura rendue plus personnalisée en prenant en considération des considérations individuelles face à des considérations collectives. Et la prévention va dans ce sens. Et c'est là où tous les outils d'IA qu'on utilise aujourd'hui, qu'on est en train de développer dans le milieu de la recherche, dans le milieu de la recherche académique, de la recherche privée, dans des grands groupes ou dans des start-up, va dans cette direction puisque tout le monde travaille sur ces sujets. Parce qu'on a clairement compris qu'avec les deux transitions qu'on est en train de vivre, la transition démographique que vous avez très bien décrite et la transition écologique dont vous avez un peu parlé, Lise, et qui est un enjeu aujourd'hui, et c'est vrai qu'on en parle, on parle peu souvent de l'impact environnemental des soins. Mais l'impact environnemental des soins est gigantesque. J'ai pas les chiffres là, mais c'est gigantesque. Si on était sur la prévention, on diminuerait de façon drastique en fait, l'impact environnemental de la santé, de manière générale. Donc c'est aussi un enjeu écologique. Et donc partant de ce principe, l'IA, qu'elle soit utilisée, que ce soit pour la prédiction de maladies, pour l'évaluation de risque vis-à-vis d'un traitement, la personnalisation d'un traitement, ou encore le type d'examen à faire, ou encore, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui, même avoir des outils qui soient robotisés et personnalisés plus précis pour permettre des opérations à distance ou autres, sont des outils en fait, qu'il va falloir qu'on envisage, qu'on utilise, qu'on développe et qu'on mette énormément d'argent sur ces sujets, avec de l'argent fléché, encore une fois, avec des commandes publiques à l'échelle européenne, pour permettre justement la création de ces modèles, mais aussi, et comme Lise vous l'avez très bien dit, le déploiement de ces modèles. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, nous, c'est qu'on développe des super solutions, mais c'est très difficile d'aller les déployer sur le terrain. Il faut aussi qu'il y ait la formation des acteurs. Ça part, et voilà. Il peut avoir une réticence. On sait Exactement. Que l'IA fait mieux, dès qu'il y a une imagerie, l'IA fait mieux que les meilleurs experts. Voilà. C'est un peu inquiétant. Laurent Alexandre en a parlé l'année dernière. Et je vais donner une petite anecdote là-dessus. Oui. Parce que moi, avant, je pensais justement, il y a très longtemps, comme quoi on peut faire des erreurs, hein, je pensais que le métier de radiologue n'était pas un métier d'avenir. Je le pensais réellement. Puis un jour, j'ai travaillé avec des radiologues. Parce qu'aujourd'hui, dans mon équipe, on est 13 et il y a 8 radiologues. Et j'ai réalisé que le radiologue, aujourd'hui, dans la plupart des cas, ne faisait plus des actes qu'il faisait auparavant. Et je prends le cas des radiologues, donc je pense à mon associé historique, Dr Philippe Benilouche, qui continue à faire des biopsies, par exemple. Mais il y a énormément de radiologues qui ne font plus de biopsies sur le patient, qui ne font plus d'actes sur le patient. Or, le métier historique du radiologue, dans les tâches constitutives de son métier, la biopsie en faisait partie. Et je le dis parce que le radiologue aujourd'hui passe du temps à regarder des images. Et vous pouvez écouter n'importe quel radiologue, tous les radiologues vous diront, on a besoin de plus de temps, moins sur l'image, plus sur le patient. Une réallocation des tâches. Exactement. Alors, vous parliez d'investissement. Alors, on sait bien que les États-Unis, la Chine investissent énormément. Est-ce qu'on arrive à ce niveau d'investissement ? Alors, à ce niveau d'investissement, non. Mais cela dit, on a quand même la chance en France d'avoir un plan d'investissement d'avenir qui s'appelle France 2030. Et un quart d'heure publicité. Exactement, mais il faut le dire quand même parce qu'il existe. En l'occurrence, on a 170 millions d'euros qui sont déployés sur une stratégie innovation et prévention avec un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 10 décembre. Donc là, l'idée, c'est que très concrètement, il y ait des projets qui puissent se déployer, qui
embarque évidemment une brique technologique, comme le disait Aurélie Jean, que ce soit de l'intelligence artificielle, du numérique ou pas du numérique, mais l'idée c'est vraiment de les déployer à l'échelle d'un territoire avec des consortiums publics-privés pour permettre d'avoir une démonstration très claire de la valeur à grande échelle, et donc ce qui va compenser finalement d'une certaine façon la nécessité d'avoir un recul sur le très très long terme, puisqu'on aura déjà quelques éléments, en tout cas des jalons qui permettront d'avancer pour pouvoir effectivement permettre de réfléchir avec l'ensemble des agences sanitaires notamment à des modèles économiques derrière, parce que c'est ça le nerf de la guerre en fait en France, hein. C'est qu'effectivement on est pris par cette annualité. Aujourd'hui il faut avoir une amorce pluriannuelle et le plan France 2030 en est une. Alors, je ne dis pas que c'est la seule, bien évidemment c'est pas la réponse à tout, mais en tout cas c'est une amorce qui va permettre, je pense, de montrer la volonté de transformer le système et d'aller vers effectivement cette démarche prédictive, personnalisée, préventive et participative également. Et peut-être juste pour rebondir sur le métier de médecin, parce que je suis particulièrement sensible, je partage complètement cette analyse. Moi aussi, j'étais persuadée que la place du médecin allait peut-être être, mise en danger d'une certaine façon par l'intelligence artificielle. Je suis convaincue aujourd'hui, au contraire, on va vers plus d'humains. Et on va vers un allègement des démarches administratives du médecin. Je pense notamment à la génération de comptes rendus médicaux automatisés et à tout un tas de tâches qu'on va pouvoir sous-traiter par l'intelligence artificielle. Et ça va permettre, au contraire, je pense, de gagner en qualité de la relation. Et in fine, c'est vraiment au service des patients. Et de toute façon, aujourd'hui, si on veut que les médecins et que leur investissement, et je parle des médecins, mais également de toutes les équipes soignantes et des paramédicaux également, il faut au maximum, faire en sorte que cette ressource rare puisse être optimisée et donc vraiment sur le champ de la relation. Et ça voudra dire aussi revoir complètement l'évaluation de l'impact. Exactement. Parce que la productivité, par exemple, va faire partie de l'impact. On parle beaucoup ensemble d'efficience, donc l'infongibilité des enveloppes, désolé, mais c'est exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère de la Santé s'intéresse à son budget et se moque des arrêts de travail. Là, ça va plus être comme ça. Exactement. Et je pense ça, c'est aussi une révolution culturelle. Et qualité de vie des professionnels de santé aussi. On n'en parle pas assez, mais c'est pareil, c'est un enjeu extrêmement important. Et peut-être pour aller justement dans le sens de cette fongibilité, c'est la raison pour laquelle l'Agence de l'innovation en santé que je dirige est interministérielle, pour vraiment assurer cette continuité entre recherche, soins, industrialisation, parce que là encore, sans les industriels, sans les entrepreneurs, on n'y arrivera pas. Il faut leur donner cette capacité à se projeter dans un business model. Aurélie, une réaction? Oui, juste un petit point, parce que c'est très intéressant ce que dit Lise. Et quand on parlait justement de l'IA, et souvent lorsqu'on parle de prévention, on est obligé de parler d'IA parce que l'IA fait partie des leviers qui permettent. On peut pas faire autrement. Enfin, clairement, que ce soit pour l'analyse de données à grande échelle, que ce soit pour créer des modèles prédictifs ou de détection de signaux faibles et autres. Et partant de ce principe, moi j'ai souvent de la part du corps médical ou même des gens en général cette crainte en fait du remplacement du médecin ou d'avoir une santé à plusieurs vitesses, même si elle existe déjà en réalité. Voilà, merci. Mais voilà, à plusieurs vitesses où ceux qui n'ont pas les moyens auront l'IA et les autres auront IA plus médecin. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et je donnerai un exemple qu'Antoine, tu connais, c'est Fabrice Brunet. Donc ce n'est pas une IA, c'est l'ancien directeur de l'hôpital de Montréal, le CHUM, l'hôpital universitaire. Et Fabrice, donc, il est français, cardiologue de formation, il est parti à Montréal et il a fait quelque chose d'extraordinaire à Montréal. Il a complètement IA-isé, si on peut dire ça, l'hôpital de Montréal. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'hôpital de Montréal, il y a des robots partout. Il y a des robots pour aider les patients à se mettre dans leur lit tout seul, à prendre leur douche tout seul. Ça peut paraître idiot, mais c'est apporter de la dignité aux patients. Et c'est très dur pour les aides-soignants. Les aides-soignants peuvent passer plus de temps avec le patient à faire autre chose. Et du vous coup, avez moins d'arrêt de travail avec des problèmes de la main. Oui. Et ça, c'est quand même incroyable. Et vous allez rire, personne n'a été viré ou licencié. Tout le monde a été redirigé. Et il a transformé cet hôpital en le rendant plus humain. Et aujourd'hui, c'est un exemple qui est pris dans plein de pays. On va l'inviter l'année prochaine, Nicolas. Il faut vraiment. Fabrice Brunet, parce qu'il a développé un modèle, personne n'y croyait, et il a rendu l'hôpital plus humain. Et quand vous allez à l'hôpital de Montréal, vous avez des gens pour vous aider, pour vous diriger, pour répondre à vos questions. Parce que quand vous arrivez dans un hôpital, c'était son idée de dire, quand vous arrivez dans un hôpital, vous arrivez toujours stressé. Sauf quand vous allez voir une femme qui vient d'avoir un enfant. Mais sinon, c'est souvent pour aller soit avoir un examen, soit avoir quelqu'un de malade. Et donc, partant de ce principe, essayons de rendre ce milieu un peu plus chaleureux par du contact humain. Et pour ça, il a mis de l'IA. Et je trouve ça assez salutaire. Formidable. On va l'inviter.
Monsieur Arrigan, il y a un bel exemple chez vous, parce que vous avez, vous, puisqu'il y a eu le développement du télétravail, vous avez décidé d'investir dans tout ce qui est ergonomie chez vos employés. Vous pouvez nous en parler, nous dire la valeur que ça crée après pour l'entreprise. Oui. En fait, tout ce qui vient d'être dit montre l'importance de la prévention d'un point de vue général et d'un point de vue sur le long terme. Mais on voit aussi très bien la difficulté de financement. C'est-à-dire comment on finance du court terme pour des actions qui ont des effets à long terme. L'entreprise, c'est ce que je disais en introduction, peut être une des solutions, voire la clé de la solution. Je le dis à la fois sous l'angle dirigeant d'entreprise, puisqu'en tant que dirigeant, j'ai la responsabilité de la santé physique et mentale de mes salariés, responsabilité pénale, mais aussi en tant qu'assureur. Parce qu'en tant qu'assureur, j'observe un phénomène flagrant que vous connaissez tous, ce sont les arrêts de travail. Les arrêts de travail, vous en entendez parler un peu plus en ce moment, notamment avec la loi de financement de la sécurité sociale, puisque ça coûte très cher à la collectivité. Ça coûte aussi très cher aux entreprises, parce que la part qui n'est pas prise en compte en charge par la sécurité sociale est prise en charge par les assureurs et donc refacturée aux entreprises. Et en plus, il y a des coûts qui sont cachés, puisque quand vous avez dans votre équipe une personne qui est en arrêt, eh bien, c'est les autres membres de l'équipe qui compensent, donc c'est un petit peu plus dur, et tout ça dérive. Donc ça, c'est le constat, il faut lutter contre les arrêts de travail. Alors, quand on a eu le Covid qui est apparu, il y a eu un changement de paradigme majeur, c'est que l'entreprise, ce que je disais, est entrée dans la vie privée des salariés. Dès lors que la personne travaille à son domicile, on est rentré dans son domicile, qu'on le veuille ou non. Et c'est une bonne chose. Ce que l'on a fait à la Mutuelle Générale, c'est qu'on s'est dit, mais il est impensable qu'en permettant le télétravail, on ait finalement une détérioration de la qualité de vie au travail, et donc de la qualité de vie chez soi. Donc on a commencé à mener des actions. Et ces actions que l'on a menées, je pense que c'est presque le fil conducteur de ce que l'on pourrait faire demain. Je vais vous dire de manière très simple ce que l'on a fait. On a mis de la téléconsultation médicale pour permettre aux salariés d'avoir accès à un médecin 24 heures sur 24. On a mis de l'assistance psychologique, appeler un psy 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Petite parenthèse au passage, il n'y a pas de raison que dans mon entreprise, les salariés vivent une vie différente de tous les Français. On a eu des personnes qui étaient maltraitées chez elles. Grâce à ce système et à la levée de l'anonymat, on a pu leur permettre d'avoir un hôtel en dehors du département, on a payé le train, on a payé l'hôtel, on a payé l'assistance pour porter plainte. L'entreprise est allée au-delà de ce qu'elle faisait avant pour accompagner le salarié. On s'est dit, quand les salariés travaillent chez eux, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas soin de leur intégrité physique. Puisque si je ne le fais pas, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'ai des tas d'arrêts de travail parce qu'ils vont tous avoir mal au dos. On a fait en sorte que chaque salarié ait un siège ergonomique à son domicile avec un double écran. On a continué. On fait en sorte que, avec des mesures, on aille sur les applications sportives pour leur permettre de faire du sport, voire de prendre en charge les abonnements de sport. On a fait venir un ostéopathe dans notre entreprise. On prend en charge des campagnes de vaccination au-delà de ce que fait la sécurité sociale. On va au cœur de notre salarié pour lui proposer des programmes de prévention et de bien-être. Le résultat, j'ai regardé les statistiques, on a divisé par 2 notre absentéisme en 5 ans. Et du coup, c'est rentable d'investir dans la prévention. Et c'est rentable. Donc vraiment, il y a un sujet, c'est que pour l'entreprise de s'occuper finalement de l'équilibre de vie privée du salarié, sans être intrusif, c'est bénéfique pour la société, c'est bénéfique pour l'entreprise et c'est bénéfique pour le citoyen. Et pour la collectivité. Et donc il faut que demain, on utilise les entreprises, parce que c'est elles qui sont au contact du citoyen, pour déployer tout ce qui est action de prévention, tout ce qui est action de santé. C'est tout ce qui nous a été dit tout à l'heure peut se déployer avec l'aide de l'entreprise. Donc faisons en sorte que les campagnes, que les grandes initiatives puissent être relayées par les entreprises et, si possible, avec l'appui de l'assureur, puisque l'assureur est celui qui participe au financement de l'opération. Antoine Ténière, ça veut dire qu'il faut libérer les énergies, là. On a les mathématiciens, les entrepreneurs, les individus. Comment on fait pour enclencher cette dynamique ? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est le constat et la réalité que la prévention, c'est l'affaire de tous, parce qu'on va changer complètement de domaine. On sort du domaine hyper expert du soin et on va s'ouvrir sur le domaine de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est le premier élément avec extrêmement important. Les changements de comportement. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on va faire rentrer des nouveaux acteurs. Je vais en dire un petit mot. Le premier levier, on en a parlé, c'est la donnée.
la donnée, elle nous permet aujourd'hui, quand on est capable de la collecter, de l'analyser, d'aller dans des éléments qui sont plus précis, plus rapides, plus fiables, plus personnalisés, etc. Mais surtout d'aller dans des domaines où on n'allait pas auparavant, notamment dans la modélisation. On est capable de dire à l'avance ce qui va se passer dans une catégorie de population parce qu'on a identifié des facteurs de risque précis qui sont de plus en plus différents de ceux dont on avait l'habitude. Par exemple, sur une mammographie aujourd'hui, une petite lésion qui n'est pas significative peut être caractéristique et prédire un cancer 5 ans à l'avance. Donc on va dans des domaines qui sont extrêmement, extrêmement intéressants. Donc ce numérique-là, avec tout ce qu'il y a autour de la donnée d'intelligence artificielle, est un levier assurément, et on en a parlé. Le deuxième élément, c'est que, je l'ai dit, on fait rentrer des nouveaux acteurs à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des professionnels de santé, ils ont été formés pour soigner. Et donc c'est une conception, c'est une façon de penser, etc., qui sont articulées sur le soin. Dans la transition, évidemment, on va utiliser ces forces vives pour accompagner la prévention, mais sur le long terme, il faut arriver à penser des nouveaux métiers, parce que c'est une façon différente de prendre en charge non plus des patients, mais chacun d'entre nous, des citoyens, etc. Premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est que, au-delà du classique soin, enseignement, recherche qui sont la base aujourd'hui de notre excellence en santé, on va faire agir de l'ingénierie, de la mathématique, des entreprises, à la fois comme pourvoyeurs de solutions, et c'est ce qu'on a mis en place notamment avec BPI à deux niveaux, un accélérateur pour accompagner des jeunes start-up à s'engager dans le domaine de la prévention, et puis l'appel à projet Challenge Prévention dont Lise a parlé et qui est porté par l'AIS. Et donc là-dessus, l'État s'engage pour accompagner cette transition avec des financements, ça a été dit, mais je vais le redire, qui sont tout à fait inédits et qui sont vraiment importants. Et puis le troisième, c'est la volonté politique, quelle que soit, on va dire, sa séquence, qui va s'accompagner à la fois d'éléments de visibilité et puis de plans comme celui dont on a parlé, et puis également, on le voit, d'une vision plus long terme, notamment dans ce que j'appelle des financements de transition. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un système qui est très ancré dans le soin, et il va falloir accompagner les acteurs à s'ancrer dans un domaine un petit peu différent. C'est finalement assez comparable à ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, pour passer des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Et donc, il faut accompagner ça par des changements de culture, des financements pour vraiment avoir l'ensemble des acteurs qui changent. Et puis, le dernier point, et je suis très heureux de l'entendre, c'est que la prévention, elle va toucher chez les enfants l'école, c'est là où on va apprendre, et puis chez les adultes, le lieu de travail. Donc c'est les entreprises, les institutions, le secteur public. Et donc c'est tous ces acteurs-là qu'il faut engager dans une logique beaucoup plus large. Et donc c'est extrêmement important qu'on ait avec nous, parce qu'ils ont compris les enjeux, les chefs d'entreprise, les responsables de secteur public, pour accompagner toute cette dynamique. Alors il faut peut-être aussi engager un peu l'État et l'administration fiscale, parce que dans certains cas, Étienne Tichit, les actions de prévention peuvent se faire retoquer par l'administration fiscale ou les charges sociales. C'est la raison pour laquelle vous proposez un cadre fiscal pour cette partie prévention. Oui, ben je pense que déjà, parce qu'on parle souvent du financement, et c'est la question à 1 million d'euros, hein, ou à 1 milliard, je ne sais pas, de financement, et on ne va pas y répondre en 7 minutes. Mais cependant, si je prends à l'échelle d'une entreprise comme la nôtre, en France, j'ai à peu près, en plus des charges d'entreprise habituelles, les taxes d'entreprise habituelles, j'ai à peu près 20% de reversement à la sécurité sociale de mon chiffre d'affaires. Donc c'est 100 millions d'euros potentiellement qui sont déjà reversés par l'entreprise, en plus des taxes normales sur les entreprises, 100 millions d'euros qui sont versés à la sécurité sociale. Donc moi la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ces 100 millions chaque année? Et mon point c'est, je souhaiterais pour mettre ces 100 millions fléchés sur la prévention et porter des programmes de prévention avec les acteurs tels que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, donc que ce soit le Lighthouse, le Cities for Better Health ou prévention de l'obésité de l'enfant, combiné à de l'IA, combiné à des solutions technologiques, plutôt que de reverser pour faire peut-être des ronds-points dans mon Berry natal. Voilà. Donc ça c'est mon plus grand souhait, c'est que je pense que payer les taxes, on sait qu'en France on a les produits de santé les plus bas du monde en termes de prix. De l'autre côté, on reverse énormément à l'État sous forme de taxes ou sous forme de reversement sur ces produits-là, clause de sauvegarde et compagnie, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais simplement, moi, pour moi, c'est un levier important sur lequel je préférerais avoir une déduction de mes taxes et pour pouvoir
accompagner avec un collectif, là, les 14 acteurs qu'on a, qui sont aussi pour une partie dans la salle, les 14 acteurs pour travailler sur la prévention. Et ça, je veux bien le porter à l'échelle des villes, puisque les maladies chroniques, pour 2/3 des cas, c'est dans les villes que ça se passe. On va être rattrapé par la patrouille, mais je ne peux pas m'empêcher. Ça, c'est un premier levier. Christophe, il y en a un deuxième, juste 2 secondes, parce que parfois, les entreprises sont pénalisées par l'administration fiscale quand elles font des initiatives de prévention. En termes de prévention, nous, ce qu'on aimerait porter en tant qu'assureur, c'est permettre aux entreprises de mettre des bilans de santé auprès de leurs salariés. Un bilan de santé de manière régulière, ça permet de suivre l'état de santé et d'intervenir le plus tôt possible. Et bien aujourd'hui, on a une situation qui est ubuesque, c'est que quand les bilans de santé sont présentés par l'assureur, ils sont taxés, alors vous avez la TVA à 24, hein. Ben nous, c'est taxé à 34%. Voilà. Et en plus, vous avez les administrations URSSAF qui disent « Attention, c'est un avantage en nature, je mets 60% de cotisation et c'est imposable sur le revenu sur la personne. » On est en train de faire de la prévention et on a une fiscalité qui est la plus punitive qu'on puisse imaginer. Voilà le on va utiliser les relais. En tout cas, juste pour conclure, on veut une nouvelle culture, vous l'avez compris, moins de soins et plus de prévention. Et puis, vous savez quoi ? Moi, je pense que la santé, ce n'est pas un coût. C'est un investissement. C'est une façon de le regarder complètement différemment. Et ça peut être aussi un magnifique secteur économique. On en reparlera l'année prochaine parce qu'il paraît qu'il y a un invité important. Et donc, il faut que... Merci pour votre attention.